Pourquoi, dans l'imaginaire collectif, il n'est pas possible pour un enfant de 3 ans d'apprendre à lire? Françoise, pouvez-vous nous parler de votre parcours? Depuis plus de 25 ans, j'ai étudié les processus d'acquisition de la lecture chez les tout-petits. Entre 3 et 6 ans, apprendre à lire n'est pas plus difficile qu'apprendre à parler. Ce jeu est le fruit de mon expérience auprès des familles et des écoles. En me plaçant au niveau de l'enfant, j'ai compris ce dont il a besoin pour apprendre à lire avec le plus de plaisir possible. L'enfant apprend plus facilement ce qui le concerne. Nous allons le faire jouer avec des mots très personnels. Son prénom, les membres de sa famille, ses activités préférées. Vous allez même pouvoir lui offrir des mots pour qu'il découvre l'univers merveilleux du bonheur de lire à travers 6 jeux progressifs. Avec Kidontu le kangourou, l'enfant s'entraîne à reconnaître ses mots et s'exerce avec un memory. Pour apprendre le son des lettres, il se familiarise avec des mots qui commencent par la même lettre. Avec la linotte, il découvre les voyelles. Il s'approprie les principaux graphèmes, ch, ou, un, et, en les collectionnant dans des maisons. Avec Papa Castor, il s'entraîne à découper des mots simples en syllabes pour cheminer vers le fameux béaba qu'il ne pouvait pas comprendre d'emblée. Et parce qu'il est très important que vous suiviez sa progression pour mieux l'accompagner, accédez gratuitement au tableau de bord personnalisé. Le bonheur de lire, dès 3 ans, est disponible sur l'App Store. Rejoignez-nous sur 7academy.com.